Michel, bonjour, bonjour Laura. Bonjour tout le monde, bonjour Padap. On n'a pas tourné beaucoup de vidéos ces derniers temps, c'est ma faute. J'étais un petit peu dans le jus, vous découvrirez ça très bientôt. En attendant, nous sommes de retour et Laura, je propose aujourd'hui de faire des petites tartines apéritives de la mer saumon crevette. Laura, je vais te laisser le soin de préparer notre crème d'avocat. D'accord. Pour ce faire, tu vas commencer par peler les avocats et récupérer la chair. Direction le saladier. D'accord, je sais faire. Parfait. Pendant que tu continues avec les avocats, je vais ajouter à notre petite crème la crème fraîche et un demi-oignon rouge qu'on a émincé très finement. Avocat, oignon, crème fraîche. On va venir mélanger et écraser l'avocat et le tout. On passe à l'assaisonnement de notre crème d'avocat. Un petit peu de sel. Poivre. Comme d'habitude, j'aime beaucoup piment d'Espelette. C'est un peu ma spécialité. Et bien évidemment, on continue avec le jus d'un demi-citron. Notre crème d'avocat est prête, on va passer à nos petites tartines. Ce qu'on va faire, si ça te convient, un petit filet d'huile d'olive très léger et on va les faire revenir au four 3-4 minutes. D'accord. Ça, rien que le geste, tu vois, j'aime beaucoup. C'est bon, huile d'olive? J'ai tanné un petit peu. T'es tanné tout en légèreté, hein. Ouais. Allez, on grille quelques minutes. Nos tartines viennent de sortir du four. Ça sent l'huile d'olive, t'y allais vraiment en moulot sur l'huile d'olive. Voilà, elles sont imbibées, pile poil comme j'aime. On va passer au dressage. On va commencer avec la crème d'avocat. Oui. Alors tu peux passer la crème d'avocat et déposer une portion assez sympathique sur chaque tartine. Laurent, continue, je vais te laisser couper quelques petites tranches de notre concombre, s'il te plaît. On va venir déposer sur notre crème d'avocat. Très bien, je le pèle un peu avant quand même. Tu le pèles un peu, tu fais un petit peu comme tu veux, et puis allez, deux petites tranches. Sur mon toast. Parfait. On va passer à nos tranches de saumon. On va venir découper en bonnes petites lamelles et qu'on va venir placer pareil sur le montage de notre tartine. Alors moi je vais faire des lamelles assez grandes de la taille de nos tartines, mais tu fais comme tu veux. Laura, on va venir décortiquer nos crevettes et placer sur notre saumon. Touche finale, une petite tomate cerise, un cure-dent. On vient piquer et on va venir coincer sur notre tartine. La petite touche finale, un petit peu d'aneth et quelques petites gouttes de citron. Alors Laura, satisfaite de cette petite tartine? Très bon. Très bon, hein. J'en ai un peu fait tomber une, oui. Je l'avoue, mais on a coupé. La crème d'avocat est vraiment très bonne. Ouais, t'as une bien relevée, ouais. Impeccable. Les apprentis chefs, c'était donc nos petites tartines. Quand tu continues à manger, comme d'habitude, de la mer sans crevettes. N'oubliez pas toutes les vidéos depuis le début sur www.lesapprentischefs.com. C'est bientôt la fin de la saison 1 des apprentis chefs et bientôt on commence la saison 2 dans une nouvelle cuisine. Oui. Les travaux commencent lundi matin et donc d'ici allez, un mois il y aura des nouvelles vidéos avec la petite déco que tu nous prépares. Oui. Ça sera fantastique. En attendant, on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye. Salut.